Hey yo tout le monde, c'est Shedless. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World War 2 épisode 4 des comeback zombies. Donc n'oubliez pas de lâcher le petit like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et abonnez-vous à la chaîne car vous êtes 75% à ne pas être abonné à regarder les vidéos. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Et n'oubliez pas la petite cloche et partagez cette vidéo à tous vos potes. Alors sans tarder, on passe directement à la vidéo. Ok, donc on se retrouve sur Derize, sur Wall at War. J'avais oublié de vous dire le nom de la map au début de la vidéo. Sincèrement, je déteste Wall at War. Ok, c'est le premier Call of Zombies, mais... les zombies aspirateurs, c'est de la merde. Ça fait genre 4-5 fois que je reprends la... que je refais une game parce que... j'arrive pas à avoir un bon gameplay, je crève moins 3-4 dans le coin. Voyons, pourquoi il tape pas? Bon, t'as le temps. Bon, sincèrement, comme arme, je ne sais vraiment pas quoi acheter parce que à date, j'ai testé les deux armes du spawn, c'est vraiment pas le top. Moi j'irais peut-être pour essayer le shotgun qui est à côté. Ou sinon encore là j'ai pas vu s'il y en avait un là. Une arme. On va checker sur un vrai. Ah oui. Ah ouais. Pourquoi il y a juste du coup par coup? J'aime pas les coups par coup. Bon, en tout cas sur ce jeu. On va try cette arme là, ça assure que j'ai pas essayé encore dans ce que j'ai développé. Elle m'a l'air un peu mieux que les autres. Sincèrement, c'est pas comme si j'haïssais les kills au corps à corps sur ce jeu. Surtout pas. Bon, y aurait-il une arme un peu plus potable? C'est quoi ça? Un fusil à pompe, en vrai, il peut être moins dégueulasse que l'autre. L'autre, le seul problème, c'est que c'était comme un peu le shotgun double, puis pouf, là, habituellement. Oui, je vous avais même plus de tête. Crever un moment donné, non? Ça vous dit pas de crever? Ah oui, je leur explose leur tête et ils continuent à marcher pendant 3 heures. On va se try... Oula! On va se try le shotgun, en vrai, il peut être pas pire. Genre, ça m'a l'air un peu un espace 12. Hein. Ouais, je pense que ça va faire le taf, en vrai. Ouais, c'est juste la recherche qui va être chaud, je sens. En vrai, ouais, il fait large le taf.
Ok, on va continuer à ouvrir la map. Tranquillement. Oh, on est au chien. Je ne trace pas les chiens, moi, sur ce jeu. Non, 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 non. Oula. Crève, wesh. Ok. C'est stressant, mais juste parce que... le coin, il est pas là. Quelque part. Sérieusement, je sais plus. L'électricité doit être allumée. Ouais, tu m'étonnes. Le courant. J'en ai aucune idée, sincèrement. Oh non, j'ai une câble. Allez, on recharge parce que là, si on n'arrive pas à se décable, ça va être chaud. Oh oh. Oh, j'ai peur. Ah, on reste une petite box. J'aime bien les box. C'est moi qui m'a redonné le même fucking arme. Oula. Hop. Sur ce jeu, c'est vraiment short. Tu manges une claque, t'es quasi mort en fait. La nuit où je vais en profiter pour essayer de trouver le courant. Il devrait être dans le coin. Puis je suis fucking aveugle. Il est juste à côté, je suis juste vraiment aveugle. Ah ouais, c'est quoi cette trappe-là là? Oh, bah à la fin de la vidéo déjà. J'ai fait au moins mon record sur Warlord. World at War. Donc malheureusement ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, donc sur ce je vous dis ciao.